Bonjour tout le monde, nouvelle exploration aujourd'hui. Nous voici dans un bunker de la ligne Maginot, donc de la guerre de 14-18. A priori c'est un bunker allemand, nous n'en savons pas vraiment plus parce qu'il n'est pas répertorié, donc ça va être une découverte. On vous invite à le découvrir avec nous. Allez, on va pas vous faire poireauter plus, on y go. Si je tombe dans l'eau, vous serez en mon préféré. Attends, je te trouve vite. Il y a des trous partout, hein, faites vraiment gaffe. Il y a des trous partout au sol. Hein. Son pantalon et... Parce
que je sais pas si vous pouvez le voir, mais il y a clairement de l'eau. Aïe. Je suis juste en train de me dire heureusement que j'ai des chaussures. Au cas où. Elles prennent l'eau. Ah, là, il n'y a plus d'eau. Ah, il y a nouveau de l'eau. Bon. Je suis quasiment au bout, là. Alors, faut faire gaffe parce que le sol glisse, en fait. Hein. Il est légèrement vaseux, vous pouvez le voir. Surtout pour faire tomber le téléphone. Et vérifier en même temps qu'il n'y a pas de trou. Ok, c'est légèrement un peu plus profond ici. Putain. Bah le reste qui est immense a priori. Oh, un super cafard. Pardon. A priori, il y a un autre accès. Ouais. Il y a un autre accès par dehors, a priori. Vous êtes dedans, là? On dirait vraiment un film d'horreur, j'adore. Et maintenant, je vous fais la musique. Nouveau film sorti dans les salles. Le bunker. Je suis sur le talon pour éviter de mouiller toute la pression. Bon, ben, pied trempé. Bon, ben, comme vous pouvez constater, il y a un autre accès par dehors, mais on va voulu jouer les fins de jour. En fait, on ne le savait pas. Il va falloir enlever les baskets, hein. Franchement, je suis. Moi, ça va, j'ai pas trop plein, honnêtement. Je suis juste légèrement humide, mais là, c'est parce que la perméabilisation est large, tu sais. Ouais, sinon, j'ai marché sur le talon comme ça. Puis à la fin, je vais m'arrêter à poser le pied. Je pense que les étages en bas doivent être inondés. Non, tu crois? Donc on a une sortie par ici. Donc voilà, on a fait la petite exploration du coup du bon.
éventuellement de fermer l'enquête, ça pourrait être sympa. Ouais. Est-ce qu'on parlait, on entend des conversations. La nuit surtout. Après, si c'est la nuit, c'est également le jour. Là. Oui. Excusez-moi pour mes lamentations. J'ai des épines un peu partout. Ça promet. Je vous dis. Anne ? Il y a des ronces carrément dedans. Quoi. Ok. Mais si vous ne faites pas ça chez vous, même si ça a l'air d'être solide, elle fait 50 kilos, donc elle fait largement. Et elle a la biche. Mais en tout cas, je suis là, elle est pas seule. Qu'il y a en haut. Il y a le mécanisme. Oh. Et il y a à peu près 300 toiles d'araignée. En fait, je nage dans les toiles d'araignée. J'aimerais te prendre une photo. Voir en gros le mécanisme. Ah, putain, j'ai vraiment mis les cheveux dedans là. Sophie aussi, elle a les cheveux dans une toile d'araignée là. Ouais, ça va, ça passe. Au-dessus de ta tête. Ah, mais là, j'ai pris un bain. Mais là, j'ai pris un bain, c'est carrément plus une toile. Bon, c'est parti. Putain, lâchez-moi. Ah, j'ai vu une toile d'araignée tomber. Photo prise. Peut-être en allant au-dessus, mais autant en passant par la flotte et remonter. Parce que là, il y a des ronces et des orties. Je préfère encore marcher dans la flotte. Je me suis dit, Aline, elle commence à comprendre mes gestes. Je me suis dit, toujours me de pas, mais en fait, c'est large. Beaucoup mieux qu'à lui. Parce qu'Aline, elle veut qu'elle comprenne. Ouais,
dalle, j'ai les pieds légèrement trempés. Moi, ouais, j'ai bien trempé. Après, moi, il y a aussi une pièce vers le bas. Ouais, c'est clairement un bunker qui a été créé avant la guerre, en prévision de la guerre, parce que les bunkers créés à la va-vite n'ont pas, en fait, regardez. Système de d'air. En fait, ils ont clairement essayé de le peindre pour faire, bon, je pense, un déco un peu mieux. Et ouais, du coup, ils ont eu le temps, en fait, de le faire, le bunker. Et là, il y a marqué quoi? Marche arrêt? Ah, il devait avoir un... avoir un... Il y a marqué marche arrêt. Après, ça m'a pas l'air très vieux. Ça. C'est ça. Donc, est-ce que c'est pas des jeunes qui ont pris les pochoirs? Ouais. Bah non.